la vie à Kinshasa semble évoluer dans une sorte de désordre et de contradiction perpétuelle. Sur le plan de la réglementation, la RDC est l'un des pays d'Afrique les plus nantis. Des normes et des lois pleuvent sur la vie nationale et dans différents secteurs. Il y en a à profusion. Elles font même pâlir d'envie. Malgré tout ce dispositif, le pays semble vivre dans la confusion. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir dans les rues de la RDC, dans la vie de tous les jours aussi. Il y a comme un vide, une absence d'autorité nonobstant des lois dont dispose le pays. Pourquoi cet état de choses? La raison est simple à comprendre. Une chose est de voter les lois, de fixer les normes, de prendre des décrets ou autres décisions. Une autre est de les faire respecter par tout un chacun. De les imposer, d'en faire des habitudes, de les marquer sur du marbre. Autre considération, souvent chez nous, l'autorité ne fait pas le suivi de ses propres décisions, de ses propres lois. On s'empresse à appliquer des nouvelles décisions, on est chaud au début, motivé pour changer les choses. Au bout de quelques temps, la nouvelle loi est oubliée, on retombe dans l'anarchie. Et la vie continue, ainsi dans le marasme, attendant une nouvelle loi qui, aussitôt mise en application, prendra la même direction. Si bien que le pays est devenu le cimetière des règles non appliquées. Prenons quelques exemples illustratifs. L'hôtel de ville de Kinshasa prend la merveilleuse décision d'interdire le tapage nocturne. Les policiers y sont envoyés sur terrain. Les bars, les bistrots, les terrasses, les églises, tombées sous le coup de la loi, sont fermées. Résultat, Kinshasa redevient plus calme. On peut dormir à côté d'un bar sans râler. Mais cette décision ne tiendra que quelques mois. Aujourd'hui, que vaut encore cette décision des autorités de la ville? Cela a été foulé aux pieds une fois de plus. Que dire des transports en commun? Il a été annoncé la mesure portant l'uniformisation des couleurs des taxis et taxibus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a été décidé que la garantie locative ne devait pas excéder 5 mois. Les prix des ventes des terrains, selon différentes communes, ont été définis, mais rien sur rien n'est respecté. Et la vie continue dans ce désordre. Des efforts notables ont été faits sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Des normes en cette matière ont du mal à être prises en compte. Les normes ne sont toujours pas respectées. On n'avance pas. La reconstruction nationale doit peut-être commencer par le changement de mentalité pour tout un chacun de nous. Le mandat de la mission onusienne en RDC est connu. Il consiste à assurer la protection de populations civiles et le maintien de la paix, rappelle responsable de la MONUSCO. La force de la MONUSCO a mené une patrouille aérienne au-dessus de la région de Minova, Sakié, Boulenga, Mouchaké et Gungu en vue de surveiller les activités de groupes armés et de rassurer les populations civiles. Elle a poursuivi également la semaine dernière dans le territoire de Walungu, Fizi et Kabaré, ces opérations unilatérales dénommées Kimbilio Salama Refuge Sûr. La mission onusienne rassure qu'elle suit de très près les négociations de Kampala. Les discussions qui peuvent contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo, pour le moment, nous n'en faisons aucune lecture. Comme moi, vous savez que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Par conséquent, nous restons à l'écoute et nous restons attentifs à tout à ce qui va se passer à Kampala. La situation sécuritaire à Mambasa n'a pas changé, a fait constater le porte-parole militaire de la MONUSCO. Donc, présentement, avec les FARDC, les PNC, nous contribuons à la sécurisation de Goma et ses alentours, mais aussi des camps de réfugiés et de déplacés, comme j'en ai parlé, en respectant les principes humanitaires, en veillant à ne pas violer l'espace humanitaire. Quant à la situation humanitaire en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés annonce la reprise cette semaine des opérations de rapatriement de réfugiés rwandais. Le HCR a rapatrié 7970 réfugiés rwandais à partir de Goma, alors que le chiffre de planification s'est situé à 5000 personnes. L'opération de rapatriement de réfugiés congolais va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2013 prochain. On a voulu entraîner les gouvernements congolais dans un piège. Heureusement, nous avons constaté que le gouvernement était prudent. Il n'a pas cédé sur cette piste-là. Mais finalement, leur maître, comme d'habitude,
leur ont donné un mot d'ordre pour qu'eux-mêmes signent unilatéralement le cessez-le-feu. Parce qu'ils savaient que si le gouvernement arrivait à signer le cessez-le-feu, c'était un piège, comme s'il y avait une guerre entre deux armées. Or, les M23 est organisé et instrumentalisé par l'Ouganda et le Rwanda. Nous sommes sûrs que c'est Kampala et Kigali qui ont donné l'ordre pour qu'eux-mêmes fassent ce qu'ils ont fait. Ils sont très dangereux. C'est là où nous disons que le gouvernement entame les démarches, accélère les processus auprès des Nations Unies de telle sorte qu'on requalifie le plus tôt possible le mandat de la MONUSCO pour que la MONUSCO soit finalement une force de maintien de la paix, hein, et non une force qui doit continuer à observer comme c'est le cas aujourd'hui. L'Union nationale est dépaysée. Dans les états-majors politiques, c'est la surprise la plus totale. Beaucoup se demandent ce qui s'est passé dans la capitale ougandaise pour que le M23 renonce à ses exigences, dont la signature d'un accord de cessez-le-feu. Le communiqué officiel rendu public mardi par les médias officiels démontre à quel point la délégation du gouvernement est versatile au point de changer des dispositions face à un mouvement rebelle visiblement au bout du souffle. Alors que les deux délégations affichent presque complet, après la trêve de 2 semaines observée à partir du 21 décembre 2012 pour le fête de fin d'année, les sources concordantes font état de promesses que la délégation de Kinshasa aurait fait à la rébellion pour obtenir la fin de la guerre. Quelques jours auparavant, le M23 avait, à partir de son bastion de Bunagana, dans le Nord Kivu, réitéré son exigence à déconditionner sa participation au dialogue à l'acceptation par Kinshasa d'un cessez-le-feu. Si Kinshasa n'accepte pas de signer un cessez-le-feu, nous allons rappeler notre délégation présente à Kampala avait alors menacé d'un ton ferme son président, le bishop Jean-Marie Runiga, dans une conférence de presse animée en début de cette année dans son quartier général. Qu'est-ce qui a donc pu se passer, se demandent certains observateurs. Y a-t-il un jeu de cache-cache quelque part? Le M23 aurait-il piégé Kinshasa? Ou alors il aurait une fois de plus subi des pressions de Sirgel? Que le M23 se soit assagi aussi vite et de manière si surprenante, ne supposerait-il pas que Kinshasa aurait fait des concessions séduisantes? Voilà l'énigme. Ces questionnements alimentent la chronique et rajoutent plus au suspense créé à Kampala. Autant la décision du M23 permettrait de faire avancer les discussions, autant elle invite que l'on s'y attarde un tout petit peu. Kinshasa vient d'être mis devant un fait accompli, lui qui avait toujours refusé toute signature d'un cessez-le-feu avec le M23. L'on dirait même plus, il a obtenu gain de cause. Mais à quel prix? C'est là toute la question. Deux hypothèses paraissent probables. Soit le M23 n'a pas pu supporter trop longtemps la forte pression exercée sur lui par la communauté internationale, soit Kinshasa a cédé au désidérata du M23. Dans tous les cas de figure, le virement spectaculaire du M23 ne serait que la face révélée de l'iceberg. L'autre serait caché dans les tréfonds des négociations secrètes qui se déroulent sur l'axe Kinshasa-Kigali-Kampala. Il y a quelques temps, j'avais déjà présenté devant la presse des preuves de l'implication de Roger Lumbala, président national du RCDN, dans la rébellion. C'est clair, Roger Lumbala a choisi de quitter la scène de la démocratie pour jeter son dévolu sur les armes, l'utilisation des armes comme moyen pour accéder au pouvoir, ce qui est contraire à la loi régissant le parti politique, ce qui est contraire à la constitution de notre pays. La décision que nous avons prise n'est qu'une première décision dans la limite de nos compétences, mais nous avons initié une démarche vers le pouvoir judiciaire pour la dissolution pure et simple de ce parti. Donc Roger Lumbala et son parti ont choisi de participer aux actes d'humiliation de notre peuple avec la complicité, comme vous le savez, de certaines forces étrangères, dont le Rwanda. C'est une infrastructure de 54 mètres de long, 15 mètres de largeur et 2,5 mètres de creux
Colonel Kokolo, un bateau remorqueur intégré ITB a une capacité de 1390 chevaux vapeur et peut contenir plus de 2300 passagers en aller-retour. Le bateau doit subir une transformation à 90%. Le montant pour cette fin s'élève à environ 2 500 000 dollars américains et le gouvernement n'a décaissé que 500 000 dollars comme acompte alors que les jours sont comptés au chantier naval pour la finition de ce travail, à savoir 175 jours au total. Colonel Kokolo, un véritable bijou. À l'intérieur, on trouve des chambres froides, cuisines, grandes salles de conférences et autres. Le chantier naval a pu rétaper les tribords, il reste les bâbords, les moteurs et groupes électrogènes sont disponibles, la coque doit subir un carénage. Les cabines des passagers et les appartements des luxe vont recevoir des coups de balai, des coups de peinture par-ci, par-là, pour qu'ils reprennent sa beauté d'antan. Le financement va prendre en compte aussi la réhabilitation des 5 barges, à savoir Bangolé, Mukongo, Wagenya, Bambunda et C500 pour marchandises. Sur les plans économiques, la réhabilitation de ce bateau, muni des convois des barges à passagers, une fois remis, va constituer un gain social incommensurable pour Kinshasa et Kisangani.